J'aimerais juste prendre un petit instant pour remercier les 5e rendez-vous d'Histoire de Québec, plus particulièrement Mme Catherine Ferland d'avoir accueilli ma proposition de conférence avec enthousiasme. Donc, cette année, la photographie occupe une belle place dans la programmation du festival et ça me fait vraiment plaisir d'y prendre part pour participer afin de contribuer à la reconnaissance de la part des femmes. Et je vous remercie également de votre présence donc à cette conférence intitulée « Sally Wood ». Les photographes femmes au tournant du 20e siècle au Québec, donc pour les prochaines 45 minutes. Je vous invite à prendre un moment pour échanger autour de l'histoire de la photographie, l'histoire des femmes, du contexte québécois, plus particulièrement donc entre les années 1857 et 1928, qui sont l'année de naissance et de décès de la photographe Sally Wood. Donc, Sarah Elizabeth Wood, aussi connue sous le nom de Sally Wood, Sally E. Wood ou Miss S. E. Wood, est née le 7 janvier 1857 dans la région du Québec aujourd'hui nommée les Cantons de l'Est. Elle apparaît parfois dans des documents récents sous le nom de Sally Eliza Wood. Donc, si jamais vous faites des recherches dans Google ou tout autre type de recherche, je peux que vous voyez Sally Eliza Wood, c'est la même personne et c'est une erreur. En fait, c'est le nom de sa mère. La confusion vient d'une interprétation erronée de documents historiques lors de premières recherches et publications réalisées sur sa vie et son œuvre. Donc, Sally Wood, c'est la cadette d'une famille de 5 enfants. Son père, Philip Wood, le monsieur avec la moustache, donc sur la photo, il est né au Québec alors que sa mère, Sarah Eliza Foster, est native des États-Unis. Autour de 1869, la famille déménage à Knowlton, à la suite de l'achat d'une terre agricole de 160 acres par Philip Wood. En plus d'exploiter la ferme nommée Congo, Philip Wood continue d'investir et devient l'un des propriétaires fonciers les plus fortunés de la région. Et puis, la famille maternelle de Sally Wood est également parenté avec certaines des familles les plus riches de la région. Donc, la photo ici, c'est un portrait de certains membres de sa famille, pas de tous ses membres. Ça a été réalisé par Sally Wood en 1895, donc avant l'ouverture de son studio de photographie. Sally Wood vient de ce que l'on peut qualifier la petite bourgeoisie anglophone régionale. Et ça, ça lui donne accès à des connaissances, à des ressources, à de l'argent, à un réseau de contacts et surtout le grand luxe à l'époque du temps pour ses réalisations personnelles. En date d'aujourd'hui, donc son journal intime, ses carnets de notes, les documents liés à sa démarche de photographe ainsi qu'à son métier ou encore les registres de son studio de photographie n'ont pas été retrouvés. L'absence de ces documents fait en sorte qu'il existe encore des questions sans réponse et des mystères dans son histoire en tant que personne, mais aussi en tant que photographe. Par exemple, on ne sait pas exactement dans quelle ville elle est née. On ne sait pas non plus quelle a été sa motivation pour choisir la photographie, ni quelle était sa formation. Ce que nous savons, c'est qu'elle est née 18 ans après la reconnaissance officielle de la photographie par l'Académie des sciences de France d'un procédé relativement stable et relativement facile à réaliser d'images créées à l'intérieur d'une caméra obscura. Le procédé se nomme daguerréotype. C'est la naissance de la photographie argentique et nous sommes en 1839. Donc, si aujourd'hui on prend généralement une photo à une seule étape, à l'époque du daguerréotype, les choses sont un petit peu plus complexes. Tout d'abord, on prend une plaque de cuivre couverte d'argent, puis ensuite on clippe les bouts pour faciliter la manipulation. La deuxième étape, on polie la plaque, puis ensuite on l'expose à des vapeurs, on la sensibilise à la lumière en l'exposant à des vapeurs d'iode. Et ensuite de ça, on fixe la plaque, donc c'est la quatrième étape à l'intérieur de l'appareil photo. Et puis là, on va réaliser la photographie. Donc, on va exposer la plaque et le sujet à photographier pendant 20 à 30 minutes. Et oui, c'est long le temps de pause afin de permettre à la plaque d'enregistrer l'image. Donc, le petit détail à noter, c'est que c'est très important que les gens ne bougent pas afin d'éviter de créer des zones de flou. Et c'est pour ça que sur les photographies d'époque, les gens apparaissent parfois très rigides avec des regards très, très fixes. C'était juste pour faire des belles photos bien, bien nettes. C'est pas parce qu'ils étaient plus rigides que nous aujourd'hui. Donc, après l'exposition, il faut développer l'image parce que l'image, elle est invisible en ce moment-là à l'œil nu. On place la plaque au-dessus d'un récipient de mercure légèrement chauffé. La vapeur du mercure se condense sur la plaque et puis elle se combine à l'iodure d'argent afin de former un amalgame aux endroits sur lesquels la lumière agit et c'est ça qui permet à l'image d'être révélée. Ensuite, on fixe l'image avec du sel de table. On s'en vient vers la fin, là. On arrive à la fin du processus. Donc, on fixe ça avec du sel de table, puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle un procédé qui consiste, ça s'appelle être viré à l'or. Donc, c'est un procédé qui consiste à remplacer l'argent d'image par un matériel un petit peu plus stable. Et là, c'est fini.
La photographie est réalisée, étant donné que l'image était quand même assez fragile. Généralement, on plaçait la photographie sous le verre, soit un verre dans un cadre ou dans un écran. Et voilà, c'était le processus pour réaliser une photographie en 1839. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, le daguerréotype à l'époque, c'était une révolution. C'était beaucoup plus facile à réaliser que les inventions précédentes, parce que ça faisait très longtemps que les gens essayaient de réaliser un procédé comme celui-là. Les matériaux choisis sont plus faciles d'accès, le temps de pose est beaucoup plus court et aussi l'image produite est stable, elle ne s'efface pas avec le temps. Donc, en 1839, l'Académie des sciences de France acquiert le brevet inventé par Daguerre pour le commercialiser et aussi pour faciliter son développement technique. La photographie argentique donc, va évoluer constamment jusqu'à l'invention de la photographie numérique au siècle suivant. Bien que Hollywood ait pratiqué la photographie un petit peu après l'évolution, un petit peu après donc la naissance et de la photographie argentique, le procédé s'est un petit peu amélioré du point de vue technique. Il en demeure pas moins que ces photographies donnent à voir des poses plus naturelles, vous allez voir ça bientôt, que celles qu'on peut voir chez d'autres photographes de son époque. C'est un choix artistique qu'elle faisait, puis ça remet un peu en question les conventions, et puis ça témoigne aussi de sa grande maîtrise de la photographie, de la proximité ou de la connivence qu'elle avait avec ses modèles. Et donc ça, c'est l'évolution du médium. Vous voyez, ça bouge quand même hein, dans les années où, juste un petit peu avant la grande période de production de Hollywood. Donc juste un petit peu avant la naissance de Hollywood, on a donc le daguerréotype. On a le talbotype, ça c'est l'introduction du négatif pour la reproduction d'images. Le daguerréotype permettait de produire une seule image, on ne pouvait pas reproduire l'image. Et puis après ça, il y a l'albumine, donc le papier albuminé, qui est une première tentative au niveau commercial de reproduire des images multiples. Et puis après, il y a le collodion humide, ça c'est quelque chose de super important, c'est qu'on ne travaille plus avec des plaques d'argent, on travaille avec des plaques de verre. Et par la suite, il y a, juste un petit peu après la naissance de Hollywood, le procédé gélatino-argentique. Pour résumer, c'est que maintenant, les gens n'ont plus besoin de faire toute la manipulation chimique qu'on a vue un petit peu précédemment. C'est que les plaques sont pré-préparées chimiquement. Donc, c'est avec ça que Hollywood va travailler. Donc, un petit peu encore à l'ancienne, mais un petit peu plus facile. Et puis, pendant donc, sa vie, il y a également le film celluloïde. Puis le premier appareil Kodak portatif en 1888 qui est apparu, avec lequel Hollywood a travaillé. Donc, elle a eu un studio de 1887 à 1909, mais la photographie la plus ancienne signée de sa main que l'on a retrouvée date de 1893. Donc, c'est ça. Pendant la période de production de Hollywood, c'est vraiment le procédé gélatino-argentique qui va faciliter donc, sa production. Et puis, tout au long de sa carrière, elle a travaillé sur différents formats et différents supports de diffusion. Donc, elle n'a pas juste choisi un modèle. Elle a travaillé sur donc, les négatifs sur plaques de verre 8 par 10 pouces, d'autres un petit peu plus gros, la plaque sèche à la gélatine, la carte cabinet à le grand format et la carte postale illustrée. Et puisque les photographes à cette époque-là devaient expérimenter, comme vous voyez, ça bouge, j'ai juste mis quelques jalons parce qu'il y en a beaucoup plus d'autres, ça se peut très bien qu'elle ait expérimenté avec d'autres procédés et que ces images-là ne se soient pas rendues jusqu'à nous. Donc, voilà. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est avec l'invention de ce procédé, le daguerréotype, il y a une nouvelle profession qui apparaît qui n'existait pas avant, soit celle de daguerréotypiste ou photographe. Et au moment de la naissance de Hollywood, la photographie est d'abord et avant tout un métier. Et la pratique de la photographie par les femmes en tant que travail est acceptée en Occident, avec plus ou moins d'encouragement selon les territoires. Et d'ailleurs, la toute première trace de production d'un daguerréotype par une personne originaire du Québec est attribuée à une femme. Donc ça, c'est la première trace de production. C'est une publicité qui est parue le 11 septembre 1841, soit 2 ans après la reconnaissance du procédé par l'Académie des sciences de France. La publicité est diffusée dans une publication nommée « The Montreal Transcript and Commercial Advisor » afin d'annoncer donc les services de Madame Fletcher. J'ai transcrit le texte pour que ce soit plus facile à lire. Et voilà, donc malgré, on n'a pas retrouvé de photos vraiment produites par Madame Fletcher, mais elle est reconnue comme étant la première personne née au Québec à avoir fait une photographie à cause de cette publicité. Et peut-être même au Canada, on n'a pas retrouvé de traces plus anciennes que celle-ci. Si on prend le temps de lire le texte, moi je trouve ça super intéressant parce que, bon, c'est un sujet qui me passionne aussi parce qu'on découvre
la façon dont les gens percevaient la photographie à l'époque. Elle prenait bien soin d'écrire c'est quoi, parce qu'il y a plein de gens qui ne savaient absolument pas c'est quoi, qui n'avaient jamais vu ça. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le, ben c'est ça, c'est le ton qui est très noble, qui est très... moi, je suis en train, elle se propose comme... est en train de proposer un art et une expérience. C'est pas juste un geste... C'est pas un geste banal de se faire prendre en photo à cette époque-là. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre la façon dont les photographes travaillaient au départ. Donc, c'est-à-dire qu'elle, elle dit qu'elle va être à tel endroit, à telle place pendant une période de temps pour prendre des photographies. C'est qu'au départ, le métier de photographe, c'était quand même assez... c'était précaire. Les daguerreotypistes, c'était un peu comme des vendeuses et des vendeurs ambulants, se promenaient de ville en ville. Et puis, ils allaient s'installer dans un lieu qui avait un certain pouvoir d'attraction, comme la maison d'une personnalité locale ou un commerce bien établi. Puis ensuite, ils faisaient une publicité pour annoncer leur service. Et puis souvent, ce qu'ils faisaient, ils faisaient des formations et puis ils vendaient du matériel pour produire des photos aussi afin d'accroître leurs revenus. C'est pour ça qu'elle se présente aussi comme professeure et enseignant et professeur, donc d'art photographique. Et puis voilà, et puis aussi l'autre point qui rendait le métier difficile, c'est qu'étant donné que la technologie évoluait rapidement, les photographes devaient investir constamment dans la nouvelle technologie pour ne pas perdre de clientèle, pour être à la fine pointe de la technologie. Et donc, à partir de 1850, les améliorations aux procédés techniques permettent de stabiliser le métier. Les photographes nomades vont disparaître progressivement pour faire place à des studios permanents, allant du petit studio familial à la grande usine de production d'images, ainsi qu'aux photographes indépendantes et indépendants. Et donc, voilà, afin de devenir photographe au Québec, au tournant du 19e siècle, les femmes célibataires peuvent entre autres choisir de travailler en tant que photographe freelance, comme Mademoiselle Prévotat, dont les photographies ont illustré des brochures gouvernementales pour la promotion de la colonisation. Développer une pratique amateur de qualité reconnue par les institutions telles que Brenda Beryl Harding, dite Blossom Caron, dont les photographies font partie de la collection des Archives nationales du Canada ainsi que du Smithsonian Institute à Washington. Devenir artiste religieuse, oui, comme la peintresse photographe Élisabeth Martin, dite sœur Marie-Hélène de la Croix, qui fut la dirigeante du studio de peinture et de photographie de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne de la Chine. Puis, ou alors, tout simplement, intégrer et reprendre le studio de photographie familiale comme Aline Lemay. Ou encore s'établir à titre de travailleuse autonome, propriétaire d'un studio indépendant comme Hélène Fortin à Québec. Donc, vous voyez un portrait qu'elle a réalisé dans les années 1871 à la verticale, donc un portrait de femme inconnue en studio. Ou encore comme Marie-Alice Dumont à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, dont vous voyez un exemple du travail. C'est un portrait réalisé hors studio à l'horizontale, donc d'une femme à son métier. Je pourrais nommer d'autres photographes, il y en a beaucoup plus, et il y en a sûrement d'autres dont on doit découvrir la trace, mais ce qu'il faut savoir, selon le recensement de 1891, c'est qu'un travailleur au Québec sur cinq était une femme. Bon, la donnée, elle doit être nuancée parce que les emplois tenus par les femmes n'étaient pas systématiquement comptés. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le travail invisible n'était pas recensé. Donc, par exemple, on savait qu'un certain nombre de femmes réalisaient des commandes textiles en sous-traitance d'usines à la maison familiale, et ça, c'était pas vraiment compté. Et puis aussi, tout, par exemple, les femmes qui travaillaient avec leurs conjoints dans les studios de photographie, le travail non plus n'était pas nécessairement valorisé ou recensé. Toujours pour la même année au Québec, selon les chiffres officiels, donc, peut-être à nuancer un petit brin, on a 281 photographes qui ont pignon sur rue, 262 photographes hommes, 19 photographes femmes, donc c'est à peu près 7 %. Et, petite parenthèse, il y a 2 photographes hommes qui ont moins de 16 ans. On commençait jeune. Et donc, en 2001, on dénombre à peu près 11 % de photographes femmes, avec une forte concentration dans la ville de Québec, qui compte à peu près 30 photographes de sexe masculin, 7 photographes de sexe féminin. Donc, ça représente quand même 23 %. Et la profession continue de se développer. Puis en 1831, donc un peu après le décès de Sally Wood, les femmes constituent à peu près 15 % de la profession. Donc, les photographes femmes étaient présents depuis le début du médium de façon constante, puis Sally Wood s'inscrivait tout naturellement dans cet écosystème. Et à noter que, petite différence ici, aux États-Unis et au Canada, on retrouve des femmes à la tête de studios réputés comme Catherine Weed Barn,
Frances Benjamin Johnson, Zaida Ben Youssouf ou Anna Ménard, au Québec, les normes sociales font en sorte que l'on retrouve plutôt les femmes à la tête de studios indépendants, situés la plupart du temps même le domicile familial et ayant pour fonction de servir un territoire donné. C'est d'ailleurs à ce type de studio correspondant aux normes sociales en vigueur que Sallywood a opéré. Donc, un studio indépendant situé près de la maison familiale, en fait, à même la maison familiale et qui servait une région spécifique, donc soit une partie des actuels cantons de l'Est. À l'écran, vous pouvez donc voir ici le nom de Catherine Wigbard sur le American Amateur Photographer, qui est un magazine important. Ça ici, c'est un autoportrait de Frances Benjamin Johnson qu'elle a réalisé en, j'ai un trou de mémoire, en 1896, intitulé « Myself as a New Woman ». Elle a une pose qui est peut-être moins typique que ce qu'on voit à l'époque. C'est une photographe super intéressante. Puis on a également Anna Hartley Ménard. Donc c'est un autoportrait avec une exposition multiple. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est trois fois son visage en fait. Donc, elle faisait des photographies comme ça, quand même plein du monde, puis elle expérimentait beaucoup là, avec le médium. Et puis, en date d'aujourd'hui, donc, ça c'était pour donner le contexte, les photographies les plus anciennes retrouvées de Sallywood remontent à peu près à 1893, donc soit avant l'ouverture de son studio. Il s'agit surtout d'une série de photographies réalisées en extérieur. On voit des bâtiments importants pour la région, comme l'école ou l'église. On voit également des groupes de personnes devant des endroits significatifs, comme une foule devant un chemin de fer ou un groupe devant une cascade connue de la région. Puis il y a d'autres images comme celle-ci qui semblent plus personnelles. Donc, on n'a pas exactement le contexte, ni si Sallywood connaissait les personnes et le chien qu'elle a photographié. Donc, ces premières photographies ne nous permettent pas de comprendre ou de savoir comment Sallywood a choisi la photographie comme un outil d'expression et de travail, ni comment elle fut initiée à la photographie et encore moins quelle fut sa formation. Il est possible que Sallywood ait appris le métier de photographe auprès de d'autres photographes qui étaient présents dans la région, comme John I. Wheeler ou Malcolm Robb. Un article de journal paru en 1902 mentionne qu'elle aurait peut-être appris le métier de photographe auprès de William Notman, donc qui est un photographe montréalais bien connu de l'époque. Bien qu'il y a d'autres femmes photographes qui ont passé dans les studios de Notman pour être formées et qu'on a des preuves, donc on a Annie Gray McDougall ou Margaret Lucas Lambert, qui ont étudié auprès de Notman, et on le sait, on a des preuves. Il n'y a aucune preuve en ce qui concerne Sallywood. Cela dit, il est très possible que les deux familles se connaissaient, peut-être qu'elle a appris le métier sans nécessairement que son nom ait laissé de traces dans les archives du studio Notman. Il est aussi probable que Sallywood, elle ait tout simplement reçu un appareil photo en cadeau. Et oui, les choses les plus simples des fois. Et ça se peut qu'elle ait donc reçu cet appareil, qu'elle ait appris en autodidacte. Et puis, comme c'était souvent le cas à l'époque, les photographes apprenaient en prenant un cours par correspondance ou encore en se procurant un manuel d'initiation au procédé photographique, puis en essayant, puis en essayant, puis en essayant. Donc, le mystère de la formation de Sallywood. Et puis, elle ouvre son studio de photos à Knowlton, donc dans la région du Lac-Brome en 1897. Elle est alors âgée de 40 ans. Elle est célibataire, elle est sans enfant et elle habite la maison familiale qui deviendra son lieu de travail. Dès l'année suivante, elle s'annonce comme photographe dans l'annuaire commercial, puis il est relativement aisé d'identifier ses œuvres parce qu'elle prenait soin d'écrire souvent son nom, soit à l'endos ou soit sur le devant de ses œuvres. Ou alors elle indiquait son studio de photos. À l'intérieur de son studio, donc, Sallywood réalise des portraits de commande. Ici, on a un exemple behind the scene, derrière la scène, non recadré. Donc, ça, c'est une madame qui s'appelle Sarah Knowlton Foster. Sallywood a réalisé cette photographie autour des années 1900. Et puis, l'étude du corpus de la photographe nous permet d'apprendre qu'elle a deux toiles de fond. Donc, elle en a une de fond sombre et unie qu'elle utilise souvent afin de concentrer la lumière sur le visage du sujet qu'elle photographie. Et puis, elle en a une autre, comme vous voyez, c'est un trompe-l'œil qui est peint et qu'elle utilise pour créer un effet de perspective. Donc, quand elle regarde, ça donne à peu près ceci. Là, c'est pas, les photos ne sont pas retravaillées, parce qu'après ça, souvent, elle retravaillait tout ça. Donc, voilà. Et puis, en fait, dans le studio, la photographe contrôle vraiment tout. L'éclairage, le décor, la pose du sujet, le pli des vêtements.
et au besoin, elle apporte des corrections sur le négatif, puis elle retravaille aussi au moment de l'impression, comme elle va recadrer, comme vous voyez de voir. Et puis voilà, donc ces photographies en extérieur aussi, parce qu'elle travaillait beaucoup en extérieur, sont également de la même qualité. Puis on voit aussi la difficulté de contrôler la lumière quand elle travaille à l'extérieur. Et puis elle travaille aussi la composition avec des accessoires variés qu'elle va choisir en fonction des personnes qu'elle photographie. Les femmes, donc, qui sont issues de la bourgeoisie, passent dans son studio. Et puis, elles posent souvent avec des symboles de leur classe sociale et de leur genre. Donc, ça peut être des livres, des lettres, des instruments de musique, des fleurs. Ce qui est intéressant de noter, vous allez voir un petit peu plus tard, dans le corpus de Sally Wood, c'est que quand les femmes ne sont pas prises en photo dans son studio pour des photos plus professionnelles, elle va souvent les associer avec des accessoires qui sont pas ceux attribués au genre à cette époque-là. Donc, ça peut être soit des vélos, soit des bâtons de marche, des choses comme ça. Et puis, les portraits de femmes réalisés par Sally Wood, autant dans sa pratique professionnelle que personnelle, représentent souvent les personnes de sexe féminin, non pas comme des êtres immobiles, qui étaient souvent, donc, la fonction principale, c'était juste d'être là et d'être jolie, mais plutôt comme des êtres humains mobiles en train de réaliser des gestes du quotidien, tels que parler, écrire, chanter, des choses comme ça. Quand on regarde cette photographie ici, on a l'impression que le sujet a arrêté sa lecture pour se faire prendre en photo, en fait, ou pour nous regarder, là, dépendamment comment vous interprétez la chose. Ça, c'est un portrait qu'on dit de type carte cabinet de Constance Claire Bancroft, donc réalisé en 1899. Vous voyez, Sally Wood a choisi le fond uni, et puis ce qu'elle fait, elle concentre l'éclairage vraiment sur le sujet et sur son accessoire. Et elle choisit également de proposer des lignes un petit peu plus diagonales et non pas une personne qui est assise frontale, qui regarde et qui force notre regard à s'arrêter. Tandis qu'en utilisant une composition comme ça avec des lignes diagonales, notre regard est un petit peu plus forcé à bouger. Ça, c'est tous des choix artistiques que Sally Wood faisait souvent. Et puis, voilà, la mise en scène, c'est ça, ils se dégagent ensemble. Moi, je trouve qu'ils se dégagent dans l'ensemble, quelque chose de très féminin, mais aussi quelque chose de très incarné, de quand même fort. Donc, je trouve que c'est un porté qui est très réussi. Mais je ne suis pas neutre. Comme j'aime beaucoup Sally Wood. Donc, en 1902, il y a un article qui est paru, qui est très important d'un point de vue archivistique. Ça s'appelle « An Ideal Summer Resort and Fisherman Paradise » et c'est paru donc dans le Montreal Daily Herald en 1902. Et à l'intérieur, on retrouve une mention de Sally Wood qui est présentée comme « The Lady Photographer of Knowlton ». Donc, c'est un article de plusieurs pages qui est illustré d'à peu près 45 photographies. Il y en a 15 qui sont réalisées par Sally Wood. C'est à noter que l'article présente les hommes comme une élite locale avec donc une photo puis un texte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Sally Wood, c'est la seule femme qui est mentionnée avec un métier. Donc, elle est présentée comme photographe. Pourtant, il y avait des femmes importantes dans la communauté. Il y a une personne qui s'appelle Narcissa Farad et son nom de famille, j'ai aucune idée, Pettis. Donc, son nom de famille s'appelle P-E-T-T-E-S, qui est nommé dans l'article et qui est, je crois que c'est ici qu'on voit son petit encart, c'est qu'elle a fait bâtir la bibliothèque comme un mémorial à son mari et à sa fille qui sont décédées. Mais c'est les deux seules femmes qui sont mentionnées dans l'article. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 15 photographies de Sally Wood dans l'intérieur de l'article. C'est surtout des photographies de maison et de bâtiments. Puis on a sa mention, puis on a aussi un descriptif. Et puis c'est à l'intérieur de ce descriptif qui est mentionné que donc Sally Wood aurait fait une formation auprès des studios Notman dont on a parlé précédemment. Un certain nombre d'efforts ont été réalisés afin de valider cette information-là qui demeure donc non confirmée à ce jour, bien que très probable. Et puis voilà, donc ce qui est intéressant de constater, c'est que le journaliste a associé Sally Wood à un photographe homme qui était connu, alors qu'il aurait très bien pu l'associer à des contemporaines telles que Catherine Wheat Barnes, qu'on a vu précédemment, ou Anna Hartley Menard. Les deux avaient des styles de photographie qui étaient très connus. Donc, dans un tout autre ordre d'idée, l'article mentionne aussi que la photographe expose son travail au bureau de poste local, ce qui est tout à fait possible, étant donné que Sally Wood a réalisé une série de cartes postales vraiment très réussies qui présentent des éléments touristiques de la région. Donc, je vais vous en montrer quelques exemples. Et puis, voilà, donc, nous savons de sources sûres que
vers 1905. Donc, Sally Wood fait imprimer et colorier par la maison d'édition Valentine and Sons une série de cartes postales qui illustrent des sites et des événements saillants de la région. Et puis, la photographe prend bien soin de faire inscrire ici sur le côté son nom. Donc, on voit bien « Photo by Miss S. E. Wood, Knowlton ». Puis, elle fait inscrire le titre en bas, mais elle tenait à faire mettre son nom parce que c'était pas vraiment la norme à l'époque. Il fallait que le photographe ou la photographe le demande. Et puis, voilà, j'ai d'autres exemples ici. On a l'église, donc, et le Voters Club de Romand Picquiot. Encore une fois, on a l'identification de Miss Sally Wood. Ces photographies-là réalisées en extérieur sont super importantes parce que, ben, pour moi, je l'espère pour vous aussi, parce qu'elles contribuent à déconstruire le mythe que les femmes de l'époque photographiaient rarement en extérieur. Moi, quand je fais mes recherches, c'est quelque chose que je vois souvent, puis on a plein de preuves, en fait, qu'il y avait des femmes qui sortaient avec leur Kodak. Donc, le prétexte, c'est qu'elle aurait été trop faible pour transporter l'équipement nécessaire pour réaliser une photographie, car c'était quand même assez lourd. Pourtant, des femmes photographes qui transportaient leur matériel au tournant du siècle, il y en avait plein. Donc, moi, je vous propose ici. Ça, moi, c'est comme ça que j'ai découvert la photographie quand je faisais un travail au secondaire. C'est avec Mathieu Gunderman. Ça m'avait bien frappé, cette photographie-là. Donc, c'est un autoportrait qu'elle a réalisé, Mathieu Gunderman. Elle est née Ida Madeleine Warner. Elle a vécu de 1872 à 1945 sur la côte ouest. Elle est née aux États-Unis, mais elle a vécu en Colombie-Britannique une grosse partie de sa vie. Puis, il y a toute une série comme ça de portraits où elle se prend en extérieur avec sa famille aussi, son mari, son fils. En haut, on voit une photo réalisée par Géraldine Moody, une autre Canadienne. C'est un portrait de femme et d'enfant réalisé dans le Grand Nord canadien. Elle était partie, donc, avec son mari. Puis, elle a réalisé ça en 1906. Et puis, la dernière photographie, c'est plus près de nous, c'est réalisé à Drummondville par Annie Gray McDougall autour des années 1900. Donc, c'est des femmes qui travaillent dans un champ. Donc, ça vous donne un peu un aperçu de qu'est-ce qui était possible en photographie en extérieur réalisée par des femmes à cette époque. Et maintenant, vous savez aussi que Sally Wood, elle prenait son appareil puis elle allait explorer son environnement. Puis, à l'intérieur des images personnelles retrouvées de Sally Wood, parce qu'on a retrouvé des images qu'elle a réalisées dans son studio de photo, mais on a retrouvé aussi d'autres images. On le sait pas. Est-ce que c'est réalisé dans un cadre professionnel ou personnel? Ou est-ce que c'était une volonté de la photographe de documenter de façon professionnelle sa vie personnelle? On ne sait pas. La question se pose encore. Il faut savoir qu'à l'époque, faire des photographies, ça coûtait quand même cher. Donc, de juste avoir l'idée de documenter sa vie personnelle, c'est quelque chose de... c'est un choix. C'est un choix financier. Mais c'est un choix très intéressant. Mais dans tous les cas, je trouve que la qualité puis la créativité sont toujours au rendez-vous. Donc, je vous présente ce portrait d'une personne qui s'appelle Bessie Williams, qui est une amie de la famille. Donc, cette photo, elle a été réalisée entre 1905 et 1907. On n'est pas certain. Et puis, donc, étant donné que c'est une amie de la famille, on voit cette personne photographiée dans plusieurs mises en scène différentes, dans plusieurs époques. On la voit un peu grandir sous nos yeux. Et puis, ce portrait, donc, c'est réalisé en extérieur. C'est probablement une photographie qu'elle a réalisée à titre personnel. Et puis, encore une fois, elle utilise des lignes un peu diagonales, donc qui nous forcent à regarder, donc à suivre, à lire l'image de droite à gauche et puis de haut en bas. Et ce que je trouve intéressant, c'est la position quand même naturelle du sujet. Elle prend la pose, mais elle n'est pas assise dans un fauteuil rigide. Elle est plutôt... elle a adopté une pose qui lui convenait, puis elle est presque désinvolte avec son petit chapeau posé à côté d'elle. Donc, encore une fois, je trouve qu'il se dégage de l'ensemble, une fois une image de la femme présentée comme un élément non pas passif, mais quand même actif en lien avec son environnement immédiat. Et puis, dans la même esthétique, c'est la famille de... En fait, c'est pas que la famille de Sally Wood, donc c'est la famille Harrington, Wood et Williams sur un balcon. Et puis ici, on a une belle profondeur de champ qui nous permet de voir qu'il y a la nature autour, la proximité de la nature. Et encore une fois, il y a des lignes qui sont un peu plus tournantes dans cette photographie, mais j'aimerais attirer votre attention sur le jeu des regards. Ça, je trouve que c'est un point qui est intéressant dans le corpus de Sally Wood. Dans ce cas-ci, parce que c'est probablement elle qui dirigeait ses modèles,
On a des gens qui regardent vers l'extérieur, on a des gens qui regardent au sol, on a un seul sujet qui nous regarde, nous, comme pour nous interpeller. Donc ça, c'est des choix que la photographe faisait. Je trouve qu'ils se dégagent de l'ensemble. Ici, encore une fois, quelque chose de très intime. On sent que la photographe prend vraiment le temps de poser ses sujets pour qu'ils se sentent confortables avant de réaliser sa photographie. Et puis, on a encore une fois ces postures qui sont plus informelles. Donc, on a l'impression de rentrer dans l'intimité du groupe. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très formel, dans une composition formelle, comme c'était souvent le choix à cette époque-là. C'est super intéressant. Et puis, tout ça, quand c'est rajouté aussi un sujet qui traverse l'œuvre de Sally Wood, c'est-à-dire que Sally Wood photographiait souvent les femmes de sa vie. Donc, dans les images retrouvées de la créatrice, on retrouve un grand nombre de portraits de sa maman, de sa sœur, de ses tantes, de ses nièces, de ses amies, auxquels il faut ajouter aussi ses autoportraits qu'elle a réalisés. Et oui, Sally Wood faisait des selfies. Instagram n'a rien inventé. Donc, par exemple, dans cette photographie ici, moi, que j'aime beaucoup, qui est intitulée « Sarah Eliza Foster et ses filles », ça a été réalisé en 1902, la photographe propose encore une fois une belle composition, encore avec des lignes diagonales, donc on est plus dans le losange. Et là, vous regardez les regards aussi, vous regardez les regards, vous voyez les regards aussi ne sont pas dirigés vers nous. Et donc, on cherche, nous, en tant que spectateurs, on est porté un peu à chercher qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. Puis on tourne un peu comme ça dans la photo pour finalement apercevoir la mère de Sally Wood, donc la dame qui est assise. Elle tient un album photo dans sa main, probablement un album photo de la famille. Et puis, la personne qui est assise, donc c'est Sally Wood. Je vous présente le visage de Sally Wood. Et à noter qu'elle tient une main cachée. Probablement qu'elle tient le déclencheur de l'appareil à cette époque-là. Donc, il fallait appuyer sur un déclencheur qui était relié par un fil jusqu'à un appareil photo. Et il est fort probable qu'elle ait... On ne voit pas très bien à cause de la projection, mais ici, il y a une bosse dans le tapis. Donc, probablement qu'elle a passé le fil en dessous du tapis. Et comme vous le voyez, je ne sais pas si vous reconnaissez à l'arrière, là, mais c'est la toile de fond peinte en trompe-l'œil qu'on a vu précédemment, qu'elle possédait dans son studio. Donc, on joue un jeu là, de Sherlock Holmes, vous retrouvez tous ces petits détails-là, mais bref, c'est la toile qui a été peinte en trompe-l'œil qui est utilisée dans son photo professionnel. D'où la question, est-ce que c'était un choix de photographier sa vie personnelle de façon professionnelle? C'est peut-être juste un jeu aussi, on n'en sait rien. Et puis, on continue avec ce portrait. Donc, c'est toujours la mère de Sally Wood. C'est un portrait que j'aime beaucoup. On a une composition qui est riche et complexe. Et puis, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le défi technique. C'est une photo qui est prise en intérieur, mais il y a beaucoup de lumière de l'extérieur. Les deux lumières ensemble, ça devait être assez difficile à gérer. Et puis, donc voilà, c'est quand même un défi technique. Puis on a une impression d'image vraiment saisie sur le vif. Les temps de pose étaient un petit peu plus longs, donc la modèle a vraiment joué le jeu, puis elle a vraiment pris, fait en sorte que le feu, il bouge pas trop. Et puis, sur un point de vue personnel, j'aime beaucoup le regard qu'elle a. Je trouve qu'on imagine que c'était une madame avec beaucoup d'intelligence et de caractère aussi pour encourager sa fille dans ses expérimentations photographiques. Ça, c'est une des photographies. Moi, c'est une des photos que j'aime le plus de Sally Wood. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque victorienne, les normes sociales cherchaient beaucoup à imposer des comportements, entre autres basés sur le genre. Il était attendu que les personnes de sexe masculin ne devaient pas montrer d'émotions sensibles ou affectives en public. Donc, les hommes pouvaient exprimer de la colère, mais pas de la tendresse, et les femmes pouvaient exprimer de la tendresse, mais pas de la colère. Et puis là, on arrive ici, c'est un peu une des raisons pour lesquelles on a ce genre de photo-là dans le corpus de Sally Wood, entre autres choses. Donc, c'est Sally Wood, plus jeune, avec une de ses amies. Et puis, donc, ça a été réalisé en studio. Et je trouve que le contact corporel ici suggère une amitié qui est profonde. Je trouve qu'on la ressent. Et puis, on sent qu'elles peuvent s'appuyer physiquement, mais affectivement aussi l'une sur l'autre, puis se laisser aller. La lumière est vraiment très, très belle. Et puis, la composition très, très sobre fait qu'on se concentre tout de suite sur le ressenti entre les deux personnes, je trouve.
Et puis, voilà, donc la lumière sur la photo originale est vraiment magnifique. Et puis, l'éclairage est vraiment dirigé vers les visages qui se dégagent là, par rapport au fond uni qu'elle a choisi. Il n'y a pas beaucoup de photos comme ça. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et puis, on sent très bien la sororité. Puis, c'est pas une thématique qui est beaucoup exploitée là, au tournant du siècle. Et je voulais vous la présenter parce que je l'aime beaucoup. Donc, voilà. Sally Wood a aussi réalisé des portraits de femmes en dehors de ses studios. Donc, c'était important de le faire, je pense, à l'époque pour elle, parce que chaque portrait de femme réalisé en extérieur, c'était autant de remise en question et de contestation, donc, des normes sociales dans lesquelles elle vivait. On s'attendait à ce que les femmes demeurent plus à la maison à cette époque-là. Et ce que je voulais vous montrer, c'était des photographies en extérieur, puis vous montrer un peu la palette, l'étendue. Elle ne faisait pas toujours la même type de photographie. Ça, c'est une autre des raisons pour laquelle j'ai choisi Sally Wood. Donc, on a une photographie en extérieur, un paysage très, très large, avec une femme toute seule, finalement, donc à côté contre une clôture. On a un beau dégradé gris. Et puis sinon, parfois, elle prenait des portraits comme celui-là. C'est une de ses sœurs, Elizabeth Wood. Et puis, on la voit avec donc, un accessoire qui est une branche. Comme je vous disais, normalement, à cette époque-là, elle aurait eu des fleurs, puis elle aurait été très, très droite. L'autre chose que j'aime aussi, c'est que Sally Wood, elle veut photographier des femmes de tous les âges. Donc, on a ici ce portrait que j'aime beaucoup, qui est une jeune fille à vélo. À l'époque, le vélo se développait et ça a beaucoup contribué donc à l'émancipation des femmes parce que ça leur permettait de se déplacer plus librement. Donc, une belle photographie, encore une fois, bien cadrée, tout ça. Et puis, on a une photographie donc de femmes plus anciennes. Le titre, c'est « Old Lady Outside ». Ça dit ce que ça a à dire, mais je trouvais ça intéressant de la montrer aussi parce que les femmes âgées avaient et ont encore une importance. Puis on voit que Sally Wood, elle n'hésite pas à aller les photographier, donc elle n'est pas juste dans la notion de beauté, elle est aussi dans la notion de, en tant que femme, peu importe l'âge, ces personnes-là ont un rôle à jouer dans la société. Et puis on arrive aussi dans sa pratique personnelle. Un élément qui m'intéresse beaucoup, c'est l'autoportrait. Donc, Sally Wood aussi, elle décide de se montrer telle qu'elle est. Donc, il y a d'autres photographes dans la pratique de l'autoportrait qui jouaient avec leur physique ou qui jouaient avec leur représentation. Elle se montre telle qu'elle est, avec ses rides, mais aussi avec son énergie vraiment très, très particulière qui la pousse à prendre sa caméra afin d'explorer l'environnement dans lequel elle vit. Le premier autoportrait ici a été réalisé donc en 1897. Elle a 40 ans. C'est dans ses premières photographies de studio. Elle expérimentait sur elle-même. J'imagine peut-être que là, elle met son manchon, tout ça. On ne sait pas exactement comment elle a réalisé techniquement la photographie. Peut-être que quelqu'un l'aidait. Et puis, je trouve l'autre autoportrait, je ne sais pas si vous voyez bien avec la projection, mais on la voit ici dans un ravin. Donc, la condition de fabrication de la photographie est intéressante. C'est-à-dire qu'elle a pris son appareil, c'est tout le matériel, elle est partie. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a accompagnée pour appuyer sur le déclencheur, puis c'est là qu'elle voulait se prendre en photo. Mais cela dit, elle garde quand même ses vêtements de femme bourgeoise de son époque. Je trouve qu'il y a une dualité qui est intéressante et qui est très parlante entre cette femme-là qui est dans ses vêtements, et donc qui représente un peu les contraintes de son époque, puis cette nature qui est sauvage. Donc je trouve qu'il y a une belle dualité ici Il me reste 5 minutes. Parfait. Et je vous présente donc ce magnifique autoportrait. Dans l'index de 1906, Sally Wood apparaît en tant que photographe. C'est la dernière mention de ce genre avant la fermeture de son studio en 1907. Cela dit, elle poursuit sa pratique, comme en témoigne cet autoportrait réalisé en 1915 à Long Island aux États-Unis. Et sur cette photographie, donc, elle porte une robe d'époque avec un col haut, puis elle a ses rides, tout ça, on voit un seau. Et puis, encore une fois, elle a sa main qui est cachée. Et devinez qu'est-ce qu'elle a dans sa main, fort probablement. Elle a le problème de son déclencheur, et peut-être qu'elle a caché le fil en dessous du sable, on ne sait pas. Mais la position de sa main nous laisse supposer que c'est comme ça qu'elle se serait organisée pour réaliser cette photographie. Elle a son regard qui est à la fois vers l'extérieur, mais je trouve aussi qu'il regarde vers l'intérieur, vers ses pensées.
Et puis, dans tous les cas, Sally Wood, c'est une artiste qui est bel et bien consciente du pouvoir de l'image, puis elle a toutes les compétences techniques et artistiques pour créer l'imagerie qui apparaît là, dans sa tête pour la mettre sur la photo. Puis elle n'hésite pas à explorer le monde avec son matériel photographique pour y capter sa propre vision de la femme, qui est légèrement différente de ce que les personnes, à l'époque victorienne au pouvoir, cherchaient à imposer. Et à ce jour, l'héritage de Sally Wood est principalement conservé à la Société historique du comté de Brome. Et on dénombre plus de 368 négatifs et 78 épreuves originales attribuées à Sally Wood. C'est un corpus quand même assez intéressant. Les plus anciennes donc datent de 1893, les plus récentes de 1927, un petit peu avant sa mort. Et puis, les registres de la Société historique du comté de Brome confirment le don des négatifs en 1953, soit 25 ans après le décès de l'artiste en 1928. Mais on n'a aucun contexte, par contre, autour du don. Où est-ce que les photos étaient, comment elles ont été retrouvées, pourquoi elles ont été données. Le musée McCord possède également quelques négatifs sous la forme de plaques de verre attribuées à la photographe. Donc, les femmes que j'ai nommées durant cette conférence, c'est une petite sélection de notre patrimoine. J'espère que ça vous a donné le goût d'en apprendre davantage. Je vous remercie énormément de votre écoute. Je vous inviterai à donner une bonne main d'applaudissements.